les amis, je m'appelle Raikon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis en fait. Comme d'habitude, aujourd'hui les amis, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit que je pourrais essayer de vous montrer comment avoir un space facilement. Et là vous allez me dire, ouais bah écoute, il y a plusieurs façons d'avoir des spaces, blablabla, blablabla. Donc, je me suis dit que je vais essayer de vous montrer le plus facilement possible comment moi j'obtiens du space. Donc, premièrement, j'ai fait mon kit minerai. Kit minerai, très important de savoir qu'on obtient 8 urites, 3 sélénium, 1 tita. Et donc, il va nous manquer 2 tita. Il va nous manquer. Je crois qu'on va être bon en fait. Il manque juste 2 tita. Ou ouais, il manque juste 2 tita. TNT, on s'en fout. Zeuf de creep, voilà. Et on a aussi 12 graines de mort dans le kit minerai. Donc, on va essayer d'obtenir ce qui nous manque dans ça. Ça nous prend de mété aussi. C'est plutôt ça qui va être plus compliqué à obtenir. Come on, come on, come on. Oh, j'ai eu un tita. Au moins, on a eu un tita. Boom, boom. Attends, juste, je vais juste regarder pour être sûr. Le craft du space. Ok, ouais, c'est 3, 2, 3. Ok, fait que là, il nous en manque. 1, fait que celui-là, on va le faire que, on va aller à ma base, on va le faire que. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la mine VIP sur le hub. Et je vais essayer de... ça va aller mieux s'il y a du les trucs dedans. Hop là, il y en avait combien, 6 je crois. What the fuck? Ok, ça. Boom. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire slash hub. Je vais aller miner dans le serveur mine. Et puis, je vous reprends, mes amis, quand j'ai trouvé pas mal de random. Oh. Ok. En fait, changement de plan, mes copains et mes copines. En fait, quand on allait aux mines, ça marchait pas. Donc, il faut aller sur le serveur, je crois. Je sais pas si ça va marcher sur le serveur aussi. Mais, le serveur farming ne fonctionne pas. Donc, on va voir... Ah, ça marche ici. Donc, on va essayer de trouver du random ore. Et en espérant qu'on peut le miner et obtenir du mété. Donc, à tout de suite. Oh, fuck. Oh, tabarnak, on a encore quelque chose de bon. Fuck. Ok, les gars, je suis en train de miner. Ça fait à peu près 2-3 minutes. Et là, il y a quelqu'un qui mettait des bots space, comme vous avez pu voir. Oh, what? Attends, 6 à 7000, ça c'est vraiment bon. Ok, et puis, j'ai réussi à avoir des bots. Message, mais HDV, SVP. Comme ça, lui il va mettre des bots space à 25 000, normalement. Normalement, à 25 000, puis je vais les acheter parce que je trouve que ça vaut quand même. Enfin. Regardez, on a 30 000, fait que 25 000, c'est quand même un peu moins cher. Je vais les acheter et je vais essayer de les revendre un peu plus cher plus tard. Je trouve que c'est quand même un bon prix. Ou sinon, je peux les garder puis les mettre dans un coffre caché ou quelque chose. Donc, je continue de miner. À tout de suite. Oh, tita. Nice. Bon, c'est pas comme si on avait besoin, mais bon. What the fuck, j'avais pas vu. Fuck. On n'est pas chanceux. What the fuck. Oh! Oh my god! Y'a quelqu'un qui avait oublié les random ore? What the fuck? Est-ce que j'irai? Ouais, ok, c'est bon. What the fuck, les gars? Nice! On a notre mété, les boys. On peut sortir de la mine maintenant. Oh my god, nice! Il nous manque quoi? On va aller home base, on va la faire cuire. Et puis, on va être bon to go, les amis. Ça m'a pris environ 10 minutes. Faire un space, donc avec le kit, ça m'a rien coûté gratuit, quoi. C'est d'avoir un space gratuitement, les amis de l'interweb. Donc, on va faire cuire notre tita, parce qu'on en aura besoin. Boom. On va faire cuire ça. Boom. Et puis, on va pouvoir crafter notre space, les amis. Et nous allons avoir réussi notre petit objectif du jour. Crafter space. Et ça, mesdames et messieurs, c'est 0.50 point boutique gratuitement. Sur ce, les amis, je vous reprends avec un petit PVP ou une petite séquence. À tout de suite. Et voilà, les amis, je viens de sécuriser un échange avec Shadow Troller. Donc, il m'a envoyé 0.50 PB. Et moi, je lui envoie le space. Donc, on n'a pas fait d'échange chez Q ou quoi. Il m'a fait confiance. Donc, c'est une personne de confiance. Donc, merci à toi, Shadow. Et puis voilà. Sur ce, les amis, de l'interweb, c'était 0.50 PB. Facilement. Allez, salut!
Yup, les copains, on va faire un échange sécurisé pour notre ami Shadow et Ghost. Donc, message Shadow, envoie PB. Donc, il devrait nous envoyer les PB. Ensuite, on va les renvoyer à lui. On va lui donner le space à lui et tout le monde va être content. Donc, à tout de suite, les amis. Et voilà, on a envoyé les PB à Ghost. Et là, on lui envoie le space à lui. Voilà, Ghost, tu as reçu les PB. Voilà, les amis, à plus dans le bus. Okay. Donc, il y a ce gars-là qui vient de donner. Le gars qu'on a fait l'échange chez lui nous a donné un livre, des livres. Donc, des livres de son kit. Et je vais mettre mon plastron U3. Et puis, je pense qu'on va aller PVP vite fait. Genre, un petit PVP tranquille, juste genre ce stuff-là. Je sais que c'est pas super intelligent. Je vais peut-être prendre un casque de rechange. Parce que. Attends, c'est quoi? Plus H, je crois que c'est. Pour voir la durabilité. Non, je sais pas. Je sais pas comment faire. Mais, ouais, on va aller PVP un peu vite fait. Et puis, on verra qu'est-ce que ça donne. On a encore, comme je dis, ben, on a du P4 ici. P4 U3. Boum, boum. P4 U3. Je sais pas ce qu'on va en faire. J'ai encore deux métés. Donc. J'ai encore un pig spawner à zombies que aussi que je vends. Si jamais vous êtes intéressé, je le vends contre des spaces. Donc environ 5, 4-5 spaces. Qu'est-ce qu'il pense qu'il vaut pour un spawner de pig zombie? Un spawner de pig zombie coûte 90 000. Et avec les pièces, si vous l'achetez avec les pièces de spawner à 2 000, à 3 000 la pièce spawner, mettons qu'on fait un prix, tu sais. Donc ça vous revient à 90 000. Vu que c'est 16 fois 3 000. Donc 16 fois 3. Et je crois, là, je suis pas sûr par exemple. Non, non, attends, non. Non, ça c'est à 6 000 la pièce. 6 000 la pièce, ça vous donne. T'sais, mais bon, en tout cas, bon, bref, vous me comprenez là. En gros, si ça revient à 3 000 ensuite, genre, ça vous coûte environ 50 000, donc c'est pas si pire. Donc, voilà. Je le vends si jamais vous êtes intéressé. 4, 3, 4 spaces, comme j'ai dit. Et puis voilà, je vais essayer de trouver des choses pour des gens en PVP. Puis on va se reprendre, les copines. Ah, les gars, on va juste faire un autre petit échange sécurisé rapidement. Juste parce que Mika, le malade, il veut échanger un space encore à Shadow. Et puis, ben, il n'y a pas vraiment de modo à cette heure-là. Il n'y a vraiment aucun modérateur qui est connecté. Qui est genre, en plus, genre, c'est aux heures françaises. Donc, je sais pas vraiment pourquoi. Donc, Shadow, il doit m'envoyer M Shadow envoie SVP. Et je lui donne ses PB. Je vous reprends tout de suite après, en fait. Parce qu'il faut que, en fait, je joue en full écran, ok? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand que je rec et que je vais aller sur mon autre écran, ça bug, man! Après ça, vous allez avoir des écrans noirs et tout. Donc, je préfère pas avoir d'écran noir, etc. Donc, à tout de suite. Et voilà, j'ai bien reçu les PB, je les ai envoyés à Mika et je lui donne son space et puis un autre échange de fait. Donc, hashtag icons pour modérateur super, merci, bisous. J'ai envie de réfléchir et en fait. Ouais. Donc, en fait, il y a Shadow qui vend des. Depuis tantôt, il veut plein de trucs, genre, il achète du space. Et moi, j'ai deux métiers en fait, donc je pense que je vais lui vendre en fait ça pour les PB. Donc, il va m'envoyer et puis je vais lui échanger parce que, dans le fond, moi, j'ai plus pas vraiment besoin de stuff quand j'y pense, en fait. J'aurais pu me faire un épée en métée, mais bof, pas vraiment besoin. Fait que, dans le fond, on va y échanger deux métées. Ça va nous faire un PB de plus. Je vais être à 6 PB. Donc, je vais pouvoir acheter plein de space, plein de métées plus tard. Et de toute façon, ben, comme je vous dis, la métée, ça vaut pas vraiment 0,50. Donc, pour moi, c'est un bonus, quoi. Shadow. Donc, pour moi, c'est un bonus parce que, honnêtement, genre, ça doit valoir à peu près 0,35, je pense, une métée. Donc, si je suis capable d'acheter plein de métiers, comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de blocs de titage pour faire mes propres métiers moi-même. Donc voilà. Je vais me trouver des flèches, des potes, et puis on va aller PVP. À tout de suite.